Alors, qu'est-ce que l'altérité? Qu'est-ce que l'Ukraine? Rappelez-vous de ce long voyage à travers l'Ukraine dans les amortes de Gogol. Qu'est-ce que c'est l'altérité? Qu'est-ce que c'est l'autre? Maïakovski disait « Mais qui es-tu, liberté? Tu me brûles. Je ne peux te saisir. » Aujourd'hui, alors qu'il y a la pulsion la plus folle, la plus violente, la plus archaïque, qui est celle de la guerre qui vient ravager ce monde, encore une fois, parce que disait Faulkner, le passé n'est pas passé, et Marx disait un spectre hante l'Europe. Alors qui est-il ce spectre? Est-il russe? Est-il allemand? Est-il autre? Il y a quelque chose, une pulsion qui ravage à nouveau l'Europe, et pourtant ici, dans ce lieu extraordinaire, la galerie Saphir, Saphir indéfinissable, Saphir chanté par Dante, rappelez-vous, dans la Divine Comédie, Saphir si doux, si indéfinissable, Saphir qui nous guide au-delà de toute lumière du monde, eh bien, il y a ces artistes qui sont dans la résistance, qui sont dans l'incroyable insurrection qui doit dominer, qui doit dresser le corps et l'âme, car, comme l'a dit le plus grand poète ukrainien, Taras Shevchenko, notre âme ne peut pas mourir, non pas plus que ne peut mourir cette idée de l'Europe, cette idée de l'union des cœurs et des âmes que chantait Stefan Zweig ou Romain Rolland, cette idée qui nous rassemble absolument dans cette bataille, dans ce combat plasticien qui unit des voix très fortes, puissantes, incantatoires, hein, comme celle de Georges Amat qui chevauche le monde de l'Apocalypse, mais l'Apocalypse est aussi un monde messianique. Serge Kantorowicz, Hubert Haddad, hein, qui sont dans la cabale révélée, dans l'union des étincelles de ce monde qui rejoignent les vases, enfin peut-être, pour révéler la beauté de ce monde. Mais vous le savez, Dostoïevski, la vie, la beauté sauvera peut-être ce monde. Et je crois qu'avec cette exposition, c'est peut-être possible, après tout. Yana Bystrova, Igor Potocki, qui sont là, dans leur chair, dans leur âme, témoignant absolument de cette révolte de l'Ukraine, hein, de cette grandeur de l'Ukraine, presque invincible, et peut-être aussi à cette douleur kafkaïenne qui irradie à travers Sergio Birga, hein, cette douleur kafkaïenne du pourquoi l'altérité, pourquoi cette folie qui monte dans l'être humain, pourquoi ce système incendié de l'étoile, pourquoi cette déflagration? Car seul l'art est un combat, en temps de guerre, en temps de paix, quelque chose qui doit nous dresser, invincible, devant cette pulsion de mort. Et il y a ce poème que j'aimerais lire, hein, d'Igor Potocki. J'ai improvisé. Quand les tempêtes de neige sont féroces et toi recroquevillé sur le lit, tu as prié pour qu'on vienne ici. Vous êtes dans vos couvertures, bien au chaud, et tout le monde me demande comment peut-on vivre sans idéal, au milieu des mensonges et des corbeaux. La tempête de neige sonnait plus fort que la lyre, et le froid était sombre, et tu m'as demandé où puis-je trouver la force. Mais où peut-on trouver la force de résister à cette insondable pulsion de mort? Quand Freud écrivait à Einstein, pourquoi la guerre, mais pourquoi la mort? Pourquoi cette souffrance? Eh bien, dans la souffrance même, dans cette résistance absolue, il y a toujours la beauté. Je veux croire que cette exposition sera encore une fois le triomphe de la beauté, du courage, de la résistance et de la vie. Vie que chantait Sonia Delaunay avec son ami Blaise Sandars dans la prose de Transsibérien. Parce que la prose de Transsibérien, c'est la folie, c'est la vie, c'est la beauté du monde. Allons tous dans le Transsibérien. Embarquons dans cette exposition. Merci. Bravo. Импровизировал, когда метели Сибири пели, а ты, свернувшись на постели, молилась, чтоб оно пришло. Ты, кутаясь в двух одеялах, все спрашивала у меня, как можно жить без идеала среди вранья и воронья. Метель звенела громче лиры, и холод
мерзко нависал. Ты спрашивала, где взять силы. Я ничего не отвечал. Возвышенные здания шпили под дуновением злого ветра, как паруса так долго плыли на бригантинах и корветах, и долго рев флаг пиратский на катерке обыкновенном, мешался говор азиатский с Европой гордой и степенной, шумели бойкие базары, авто устраивали гонки, перемешали здесь хазары и худенькие амазонки, здесь искренние фармазоны, всегда неистовые кротко цветов букеты с Аризоны дарили худеньким красоткам, но пахли хрупкие листочки, не зря при черноморской пылью здесь важные ступали дочки, а рядышком мамаши плыли. Плыла так, состоя из пыла обыкновенных волн морских, застирана едким мылом тенявка улиц городских. Seulement ce souvenir du corps qui brillait à l'heure de la nuit, le corps qui a quitté Odessa, qui a volé, qui s'est envolé, qui a envoûté le globe terrestre. Je me souviens de ton élan inhabituel et souvent la souche sonne le matin et l'obscurité n'est pas pour rien rapidement divisée pour l'aurore et pas de tragédie, de drame pour nous. Tu as jeté tes dés rusés et quand je n'ai pas donné de questions, tu as pleuré. Pourquoi ne pas dormir? Pourquoi mourir? Et je n'ai pas attendu tes réponses. Мне было столько помнить тело, которое сверкало в час ночной, покинуло Одессу, полетело и быстро облетело шар земной. Я твой запомнил необычный голос, так часто мне звенящий по утрам, что тьма недаром быстро раскололась. И никаких трагедий нет, и драм. Ты скидывала хитрые ресницы, когда вопросов никаких не ждал и спрашивала, почему не спится. Когда вопросов никаких не ждал, ты спрашивала. Я не отвечал.